Ah. Donc ça, ouais. Alors là, c'est ce que t'expliquais, ce système. Et... Alors il y avait soit des têtes chercheuses, c'est ça. Alors l'IGLA, alors... lui, il a, c'est, donc il est sol air, donc le type, le milicien, qui l'a en 10. Et donc on voit qu'ils n'utilisent plus, d'hélicoptères. Hein, les hélicoptères. Oui, ils ont arrêté les hélicoptères. Ah ouais, à là, cause c'est de comme, ça. Et en plus, ouais. C'est tous des chasseurs dans le coin. Alors au lieu d'aller à la chasse aux canards, ils vont chasser aux hélicoptères. Et puis ils en ont abattu 4, 5, 6, on ne sait plus combien, plus de 4 en tout cas. Et surtout ces fameux Mi-24 qu'on ne voit plus arriver, quoi, tu vois. Hein, alors le Mi-24, tu lui balances une rafale de mitrailleuse, ça ne lui fait rien du tout. Parce qu'il y a un blindage en dessous. Hein. Mais avec l'IGLA, là, il explose complètement. Voilà, donc avec ça, tu vois, on voit le type, il porte ça, donc il peut se balader. Ouais. Hein, un bon mec, il peut marcher 20 km avec ça, hein, sans problème, hein, ça fait 10 kilos, tu vois. Voilà. Et alors, ce qu'ils ont piqué aussi, alors, sur la vue... 12 11. 11. La vue 11, ça c'est le métis, alors ça c'est le nec que j'ai pas. Alors, je sais pas si ils ont été piqués ça. C'est pas les risques qu'ils ont filé, non. Non, il paraît qu'ils ont piqué ça dans... Alors, il faut dire que dans le système, comme j'ai dit, hein, dans les APC, transport de troupes, hein, ouais, ils roulent, là, les gros trucs, il y a toujours des manpads dedans, pour les fantassins. Hein, c'est des véhicules pour fantassins, donc il y a une porte derrière, donc les fantassins, ils sortent par derrière, et ils, ça fait, il y en a deux qui restent, donc ça fait six mecs, ça fait six fantassins. Hein. Il y en a un qui est conducteur, et un autre qui est, en général, il y a une tourelle de mitrailleuse qui est la mitrailleuse. Et donc, les fantassins sont amenés proches sur le terrain, avec ces véhicules blindés de l'avant, et il y a toujours des manpads dedans. Voilà. Donc à chaque fois qu'ils en prennent un, ils prennent le matos qu'il y a dedans. Et donc là-dessus, c'est un métis, donc porté 2 km. Et évidemment, c'est ce qu'il y a de plus sophistiqué. Alors, ouais, expliquons, il y a une spécificité, celui-là, justement, métis. Alors, il y a deux types de guidage. Il y a des roquettes dont la tête elle-même est chercheuse. Voilà, la tête chercheuse, ça, voilà. Hein, comme le Strela, par exemple. Le Strela est guidé par la chaleur du moteur. Ouais. Hein, donc, c'est une tête chercheuse thermique. Donc on tire et puis après le truc se démerde. Et il y a le métis où le système de recherche de la cible appartient au système. Hein, donc, hein, et que le missile est guidé par un fil. C'est un petit fil qui se déroule en même temps. Hein. Donc il suffit de prendre en charge dans la visée le véhicule, hein, d'appuyer sur le bouton, et après automatiquement, ça peut prendre un véhicule qui va jusqu'à 60 km/h. Donc il suffit de le prendre dans la visée, il peut se déplacer, t'appuies sur le bouton et le missile va... Suivre le truc sur la cible. Voilà, donc, sur sa cible. Donc en fait, il va, le missile, par exemple, toi, il suffit que tu vises, en fait, il va aller vers le truc, quoi, complètement. Voilà. Ouais, donc il est mis sur deux. Ouais, une fois qu'il l'a cadré, le véhicule est foutu. Il est foutu, ouais. Hein, il est foutu. Donc ils ont ces trucs-là. Alors ça, c'est un peu lourdingue, le métis, hein, mais ça marche sur trépied. Ça se divise en trois parties. Ouais. Donc avec trois fantassins, on peut le porter. Donc c'est des parties qui font 12-15 kilos chacune. Donc on voit que les gens qui sont équipés de ça ont une artillerie portable extrêmement puissante.
Et ils peuvent descendre tous les véhicules blindés et tous les hélicoptères, y compris des avions, y compris des jets qui volent à basse altitude. D'accord, voilà. Ouais. Donc c'est énorme. Voilà, donc on voit la guerre moderne, c'est devenu la guerre du fantassin, et qu'il vaut mieux être divisé par petits groupes de trois possédant ce type d'armes que... on voit la vue 1, hein, le type il a branché son métis. C'est un petit trépied. Alors on peut soit avec le trépied, soit le porteur. Soit à l'épaule. Ouais. Hein. Et alors on voit sur la vue 2 un fagot aussi. C'est un missile anti-char à tir unique, soit qui se porte à la main, tu vois, soit qui se met aussi sur un trépied. Alors le fagot, lui, il peut être équipé de charges en tandem. Ça, c'est ce qui a pris les Merkava israéliens. Oui. Dans la guerre du Liban Sud. Ça, c'est le fagot. Le Hezbollah en avait mis un peu partout avec une caméra. Dessus, et eux, ils s'étaient déportés. Ils s'étaient déportés plus loin, et donc ils en avaient placé un peu partout, et ils les commandaient quand ils voyaient le char qui passait. Voilà. Alors, la roquette, elle est particulière parce que c'est une roquette avec une charge en tandem. Ouais. Et donc on voit que les blindés modernes, mais là ils en ont pas les Ukrainiens, les blindés modernes, hein, c'est des vieux trucs, mais les blindés modernes ont une couche de céramique. Ouais. Ce qui fait que la charge creuse n'a aucun effet. La charge creuse, elle va fondre, elle va faire un trou dans du métal. Bon, il faut le fondre, le métal. Mais là, la céramique, ça ne fond pas. Donc, les blindés modernes ont ces couches de céramique. Le missile du fagot, la première tête va casser la céramique et la deuxième est équipée de la charge creuse. Mmh. Donc c'est comme ça que les Merkava, ils les ont niqués comme à la foire avec cet engin qui est somme toute très très léger, quoi. Très très léger. Mmh. Alors, bon, il y en a... demande combien ça coûte. C'est vrai, quoi, ça coûte à peu près un matériel comme ça, pour donner à peu près une opinion, c'est vrai. Je sais pas. Un RPG-7, ça coûte rien, ça coûte même pas, ben ça doit coûter 500 euros, un truc comme un truc comme ça, à mon avis, ça coûte plus de 10 000 euros, un engin pareil, hein. Largement, hein. D'accord. Largement, c'est quand même de la haute technologie, hein, voilà. Et donc, on voit bien que dans la guerre du Donbass, entre une armée ukrainienne, entre guillemets, qui sont pas vraiment des militaires, privée, mais bien équipés, mm-hmm. hein, et surtout équipés de blindés et d'armes lourdes, et des commandos légers, des guérillas presque. Équipés de ça, bah ils ont fait des dégâts. Hein. Parce que c'est des petits groupes donc mobiles, c'est ce que tu me disais. Des petits groupes mobiles. Voilà. Donc déjà un ennemi presque invisible, comme on dirait. Un ennemi invisible, puis qui connaît bien. Qui connaît le terrain parfaitement, évidemment, l'avantage. Qui connaît bien le terrain. Là, on va revenir à la vue 12 pour voir ce petit groupe de fantassins. À la vue 12, hein. C'est bon. Ouais. Et donc on voit là un des fantassins à la casquette qui tire en l'air avec sa calache, mais en fait il tire pas parce que les calaches modernes ont un lance-grenade qui est intégré. D'accord. Donc là, donc il va balancer une grenade qui va aller à 200-300 mètres, hein, avec son truc. Donc ils ont déjà la petite artillerie, voilà. Alors, comment ils ont trouvé toutes ces armes? Qui a fourni ces armes là aux gens? Alors, qui a fourni? Eux, ils disent qu'ils les ont pris. Ils ont pris. Alors, d'abord, ils ont pris des bases militaires, ils ont pris des stocks d'armes. C'est vrai. Hein, mais ils en ont pas énormément parce qu'on voit des gens qui gardent des. J'ai des photos avec des gens qui gardent des barricades avec des fusils de chasse. Tu vois?
J'ai une photo avec des simples fusils de chasse Baïkal, d'ailleurs, qui en ont vendu des paquets en Europe, ces fusils de chasse. Et on en voit, j'ai même une photo avec un type, il a un pistolet mitrailleur soviétique de la dernière guerre. Bon, on me demande, mais c'est vrai, c'est ce que tout le monde pense. Est-ce que parce qu'ils ont pris des stocks d'armes. Est-ce qu'il n'y a pas les Russes qui fournissent des armes à ces gens-là, non? Comment? Est-ce que les autorités russes ne fournissent-elles pas d'armes, en fait, en ça, somme j'en sais rien, voilà, mais je te pose... Moi, je constate qu'ils n'en ont pas tellement des armes. Ils n'en ont pas tant que ça. Hein, c'est tout. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'ils en fournissent, mais ils avaient quand même à leur disposition un stock d'armes important. Et d'après ce qu'on voit, les modèles de Kalachnikov qu'ils ont, c'est soit des AK-74, soit des AK modèle 100, c'est-à-dire c'est des Kalachnikov modernes. Quand tu vois les mecs en Syrie, ils ont des AKM, c'est-à-dire c'est des modèles qui ont été faits dans les années 50-60, tandis qu'ils ont des modèles qui ont été faits dans les années 80. D'accord. Donc ils ont touché des armes modernes. Hein. Donc on les voit avec ce qu'on appelle le frein de bouche, si tu veux. Le frein de bouche est une espèce de système que tu mets sur le canon de l'arme et qui va limiter le recul. D'accord. Hein. Parce que, bon, déjà, le classique, c'est du 7,62, donc c'est des balles de fusil que ça tire. Maintenant, ils ont reculé dans le calibre. Hein. Oui. C'est du calibre 5,5, c'est du calibre autant. Parce qu'on s'est aperçu que c'était mieux de blesser les gens que de les tuer. Parce que quand tu blesses quelqu'un, tu l'as sur les bras. Quand le fantassin, là, ils sont trois, il y en a un qui est blessé, bah, les autres s'en occupent, donc le groupe, il est mort. Donc, il vaut mieux les blesser. Ça, c'était la théorie de l'OTAN qui était reprise après par les Russes. Mais les autres, les fachos, quand ils ont un blessé, ils l'achèvent. Oui, et puis en plus, il y a des... Ah oui, quand ils ont... Ah oui, ils ont un blessé, ils l'achèvent. Ah ouais, d'accord. Comme ça, ils ne sont pas emmerdés. Ouais, on me dit que les plus dangereux sont les mercenaires dès qu'ils... Ah oui, ouais, ils l'achèvent carrément. Leur âme fort. C'est vrai. Parce qu'il y a énormément aussi, voilà, on le sait, il y a eu des mecs de Académie, ex-Blackwater, enfin les mercenaires privés aussi. Et eux, ils sont sans pitié, eux, c'est des... Ah, ils s'en foutent. C'est des monstres, ils sont là pour l'argent, des monstres froids. On me dit, tu vas là-bas, tu... Donc les anciennes Kalach à 7,62, ça tue les gens. Les nouvelles à 5,5, ça les tue pas. Donc voilà, donc c'est les nouvelles conceptions de la guerre moderne. Voilà. Donc là, on voit qu'ils infligent des dégâts extrêmement importants hein, aux gens. Donc on voit... quelques... Alors tu peux passer la vue 3 et la vue 4. Voilà. Hein, alors ça, c'est les dégâts, ça. Voilà. On voit un tank. BTR-80, voilà, un tank complètement. Transport de troupes. Mais ça ressemble, hein, c'est un peu trompeur. Ouais, mais c'est pas des tanks. Ouais, c'est un transport de troupes. Alors là-dedans, il y a 8 bonhommes, ça fait 8 morts, hein, quasiment, quoi. Donc celui-là, il a reçu une charge creuse, il a explosé d'un seul coup. Ah bah, il nous a fait de l'alchimie, là, mec. Hein. C'est alors, courir, hein. Voilà, donc on voit donc les mercenaires de la garde nationale ont des BTR-80 modernes. Hein, à 8 roues, tandis que l'armée ukrainienne, eux, ce qu'ils ont, c'est des APC. Ah, c'est ce qu'on 5. Voit en vue 5. Ah oui, alors donc ça, c'est en vue 5, c'est un APC. C'est un transport de troupes qui a été conçu dans les années 50. Mais alors, regarde, il y a quelque chose que je comprends pas. En 72. Ces transports de troupes-là de l'armée ukrainienne, ils ont été réquisitionnés, donc on les a filés à ces nouveaux, là, cette nouvelle armée, en fait, c'est ça? Parce que ils étaient là, déjà, tu me dis, voilà, que c'est des trucs des années 50. Ah bah oui, ils ont pris des stocks d'armes, il y en a partout. Il y en a partout, oui, c'est ce qu'on me dit. On me donne aussi des nouvelles, il y a des champs complets de blindés. Ils en fabriquaient en plus. En plus, ils fabriquaient, oui. Bah ouais, ils en fabriquaient. Fait beaucoup, tu l'expliquais que c'est eux qui fabriquaient des armes. L'industrie d'armement était en Ukraine. Bah oui, exactement. Oui, donc, alors, même ils avaient des commandes importantes pour les pays africains de blindés, mais au lieu de les fabriquer
Ben, il prenait des blindés rouillés qui dérouillaient, puis il prenait tu vois, des pièces d'autres, et puis ils en refabriquaient. Tu vois, hein, comme ça, à faible coût. Hein. Et donc, de ces APC, alors le petit là, de la Vue 5, en fait, c'est un engin qui est petit, qui était conçu pour être aéroporté. C'est un engin de reconnaissance. Ouais, ils en ont des quantités incroyables, un engin de reconnaissance amphibie pour les forces aéroportées. Donc, alors, il y en a qui comportent soit un canon, soit une mitrailleuse, soit un obusier, un mortier. Sur le même, et tu as toujours le même nombre de fantassins qui sont à l'intérieur ou alors qui sont perchés dessus. Dessus, ouais. Mais il n'y a que chez les Russes qu'on met des fantassins sur les blindés. Parce que tu mets une rafale de mitrailleuse, tu désingues tout le monde. Donc c'est complètement aberrant. Dans les armées occidentales, on ne fait pas chevaucher des gens sur les blindés. Il n'y a que des Russes pour faire ça. Voilà. Donc ça, c'est un engin complètement obsolète d'ailleurs. D'ailleurs, oui, on me demande une question, c'est vrai, sur les désertions dans l'armée, ça c'est quelque chose qu'on parlait. Ils n'arrivent pas en fait à mobiliser à l'intérieur de l'armée, c'est pour ça qu'ils sont obligés de fonder ces éléments. Prendre des gens qui sont incompétents, qui ne savent pas se battre et qui se font dégommer comme à la foire, hein, quasiment par les pépères, quoi. Des pépères, tu vois, le type qui commande l'armée de Slaviansk, c'est un ancien qui a fait la guerre soviétique d'Afghanistan, tu vois, bon. Et puis, tous ces gens-là, ils ont fait leur service militaire. Le service militaire en Ukraine a été supprimé il n'y a pas longtemps, ils viennent de le remettre. Donc tous ces gens, ils se sont... ils savent se servir d'une arme. Oui, alors c'est ce qu'on me dit. On me dit, c'est vrai que il y a beaucoup de gens, ils ont dit, on a du mal à croire qu'il n'y ait pas les Russes derrière, voilà, comme dit Alex. C'est vrai, pour former, ne serait-ce que pour former, quoi. Et comme il dit, c'est vrai. Bah, attends, ça n'a pas été évident, toujours, ce genre de truc. Il peut y avoir quelques... Mais j'en sais rien. Ouais, c'est peut-être oui, peut-être non. Ouais, chacun pense ce qu'il veut. Mais c'est vrai que c'est peu probable qu'il n'y en ait pas, quand même. C'est peu probable qu'on n'ait pas, mais sur les vues, t'en vois jamais. Tu vois toujours des pépères. Mais aussi, je voulais un peu parler de cette guerre populaire, si tu veux, du fait que voilà des gens qui savent se servir d'une arme. Bon. Moi, je sais me servir d'une arme. J'ai fait mon service militaire, on m'a appris à me servir d'une arme. Ouais. Donc maintenant, je ne suis pas tout à fait ton service militaire. Non. Tu n'as pas fait ton service militaire. Bon. Ah. Moi, j'étais un soldat exemplaire, j'ai fait une mission en Afrique, et donc tous les gens de ma génération savaient se servir d'une arme. Ouais. Voilà. Ben maintenant, c'est terminé, il n'y a plus de service militaire. Je te montre une calache, ouais, il va faire « Ah !» Il ne va même pas la prendre. Donc, si tu veux, il y a le problème de la guerre et la morale de la guerre. Hein, je voulais en dire quand même quelques mots. Est-ce que... On va dire la guerre c'est dégueulasse, on peut dire la guerre c'est dégueulasse. Une arme à feu, c'est quelque chose qui doit tuer, je ne vais pas la toucher parce que c'est dégueulasse. Ou est-ce que il y a un moment, les pépères de 50 balais, ils ne se doivent pas de prendre les armes pour défendre leur univers, leur patrie, leur maison, leur langue, leur culture. Si Dieu, la guerre, elle existe depuis que l'homme existe, et que dans les guerres, il y a toujours un agresseur et un agressé, il y a toujours un envahisseur et un type qui se défend, et il y a quand même le droit à la défense, on a le droit de se défendre, et on a le droit de porter les armes, et même on a le devoir de porter les armes au bout d'un moment. Ouais. On a le devoir. Ouais, parce que c'est une invasion, je veux dire, c'est comme un envahisseur. Ben voilà, quoi, tu te trouves avec des nazis, voilà, tu te dis, ah ben non, je ne vais pas toucher une arme. Si tu veux, la question s'est posée pendant la résistance. Moi, j'ai fait partie d'une génération qui a connu très bien des résistants. Hein. Je suis né en 1945, donc quand j'avais 20 ans, les gens, ça faisait 20 ans qu'ils avaient été dans,
dans la résidence. Donc moi, j'ai pu discuter avec des combattants. Et donc parmi les combattants communistes, il y avait des pacifistes et il y avait des gens qui se posaient vraiment des questions existentielles sur l'utilisation des armes. Et quand le Parti communiste a dit, bah, maintenant on va tuer des officiers allemands, il y en a qui ont dit, ah non, on va pas prendre un type dans le métro, lui filer une balle. C'était vraiment un très gros problème moral pour les gens. D'aller en tuer d'autres. Ouais, ouais, ouais. Poser un problème moral. Et donc ce problème moral, finalement, pour ces gens de Slaviansk, ils se posent pas, quoi. C'est tout. Il faut qu'ils se défendent. C'est lui et moi, ou moi, donc l'envahisseur, je vais le tuer. Bah, c'est ouais. Comme ça. Je vais le tuer ou je vais être tué. Et c'est la guerre, c'est comme ça. Voilà. Et donc aussi, il faut dire ici qu'on a une culture, donc on fabrique des homosexuels, on fabrique des gens, des pseudo-pacifistes, et on fabrique des pauvres mecs qui vont se laisser avoir, et que quand, si un jour, en France, on a une majorité qui arrive à vouloir sortir la France de l'OTAN, de l'ONU, est-ce que tu crois que les Amerlocs, ils vont dire, ah ben non, vous avez bien voté, on s'en va. Hein, c'est, on est fair play, on se casse, on ne va plus vous emmerder. Non, je ne veux pas. Ben, faudra pas se défendre. Faudra se défendre. Et ce sera comme ces gens-là. Ouais, ce sera comme ces gens-là. Comme ils vont nous envoyer des quoi, des djihadistes de Syrie aussi. Oui, remarque, c'est possible. Ils vont les incruster en banlieue et tout, c'est possible. Voilà, hein, moi, voilà, c'est voilà, pas. Voilà. C'est hautement probable, voilà, bien sûr. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ah non, je ne vais pas le zigouiller, ce pauvre type qui va venir de tuer ma. Hein, ces féroces soldats qui viennent jusque dans ouais. Le bois, non, ben faudra prendre les flingues. Alors l'intérêt qu'il y a aujourd'hui, c'est que à un moment donné, on va prendre les fusils, mais les fusils ça sert à rien. Les autres, ils ont des blindés, ils ont des tanks et machin. Mais aujourd'hui, le rapport de force est redevenu favorable à l'homme, au fantassin. Hein, c'est-à-dire que ce fameux groupe de mecs et dont on porte un tube lance-roquettes et puis ces groupes extrêmement mobiles, eh bien ça, ces groupes sont très efficaces. Alors il y a aussi le sniper, parce que dans la guerre moderne, hein, oui. La guerre moderne, d'ailleurs la fin de la guerre avec l'URSS, donc on a vu nombre de ces snipers dont... Jean-Jacques Cano a fait un film, oui, Stalingrad, hein, on voit les snipers, et donc maintenant on voit ces guerres de snipers qui arrivent sur 2 km à descendre quelqu'un. Et dans l'armée soviétique, là, beaucoup de snipers étaient des femmes. Hein. Donc il y avait tout un groupe de snipers femmes, et donc évidemment avec un tube lance-roquettes, un sniper, tu fais d'énormes dégâts et t'as pas besoin de blinder. Voilà, donc voilà un petit peu cette situation. Donc pour l'instant, donc... C'est quoi la position de la Russie? Parce que là on est... Ils voient tout ça, moi j'ai le sentiment que les Russes, tu me l'as confirmé, veulent que la Russie intervienne, clairement, que l'armée russe... Ah bah eux, ils aimeraient bien qu'on voit, il y a des calicots, ils ont marqué sur les murs, aidez-nous, quoi. C'est-à-dire voilà. Que les Russes, enfin les Ukrainiens, les russophones le demandent, et les Russes eux-mêmes poussent Poutine en lui disant faut y aller. Oui, mais on sait très bien que c'est un piège. C'est évident, mais Poutine... Bien sûr que c'est un piège. Entraîner la Russie dans une guerre. Entraîner la Russie dans une guerre. Donc tant que, à mon avis, parce que moi je suis pas Poutine, hein, j'ai pas le nom, j'ai pas ses neurones, donc il doit bien imaginer que tant qu'il n'y a pas trop de dégâts sur les populations civiles, qu'il n'a aucune raison d'envahir. Parce que la stratégie, si j'ose dire, poutinienne, tu me dis si je me trompe, mais moi, bon, comment je vois la chose, j'ai l'impression que justement, évidemment, il a intérêt à ne pas intervenir pour ne pas se faire entraîner dans un conflit. Et quelque part, les gens, j'ai envie de dire, cette population russophone, elle lui est tellement acquise qu'elle va revenir dans la Russie à terme. En fait. Elle et eux, ce qu'ils veulent, ils veulent devenir russes, c'est clair. Ouais. Ils veulent devenir russes. Ils s'en foutent de l'autonomie de la République du Donetsk. Ils s'en foutent. Ils veulent rentrer, évidemment.
ils veulent rentrer dans la Russie, dans la fédération de Russie. Voilà. Quoi. C'est, voilà. Hein, y a le problème de la Transnistrie aussi, hein, qu'on avait beaucoup évoqué, ouais. Qui eux aussi... Donc, c'est-à-dire qu'en face, c'est qu'ils veulent organiser le chaos de façon quoi, à ce que les gens aient peur et ne finalement soient paralysés dans leur... Paralysés par la peur. Paralysés par la peur. Mmh. Et parce qu'en vérité, sinon, l'avantage est côté russe, puisque les gens, démocratiquement, ils vont basculer du côté russe, puisqu'à chaque fois, il va s'organiser des référendums, etc. Voilà. Comme en Crimée, en fait, l'exemple de la Crimée, quoi. Voilà. La tâche de Crimée, quoi, qui va... Absolument. Donc, on cherche à impliquer les Russes là-dedans. Et puis, bon, bah, pour l'instant, c'est vrai que ça file c'est un petit peu dégueulasse de voir ces gens isolés. Mais enfin, ils ont l'air de quand même de pas mal se démerder. Ouais. Donc, peut-être qu'il y a dedans des formateurs, des services spéciaux, des agents de renseignement. Oui, c'est possible qu'ils soient totalement isolés, quoi, quand même, hein, donc ces gens-là. Mais bon, pour l'instant, c'est eux qui infligent le plus de dégâts à l'adversaire avec le peu d'armes qu'ils possèdent. Et alors, on me demande, oui, qu'est-ce que tu as connaissance sur ce groupe armé qui a voulu prendre le contrôle d'une centrale nucléaire? Oui. Alors, ça, c'est des nazis, ça. C'est le premier secteur. D'accord. Hein? D'accord. C'est les autres. Les autres, ouais. D'accord. Qu'on voulu prendre une. Ouais. En prétendant que c'était pour les protéger contre les communistes. Parce qu'eux, ils les appellent les communistes, les autres. Hein. Voilà. Mais bon, je sais pas ce qu'il leur a pris. C'est curieux. Voilà. Oui, alors c'est marrant, il y a une question, on me dit, est-ce que tu penses que c'est important de se munir d'une licence de tir sportif avant de savoir se servir d'une arme à feu et même d'en posséder une, afin que le jour venu, nous soyons en mesure de nous défendre? Parce que c'est une question intelligente, ce qu'il dit. Oui, moi c'est mon cas, ça m'arrive d'aller m'entraîner, je veux démonter une calache, la remonter, un pistolet, tout, bah, oui, bien sûr. Ouais, toi, tu penses que c'est important. Hein, Alors, on me demande aussi, oui, c'est vrai, est-ce que l'élection du 25 mai, ce sera toujours possible, soi-disant? Comment? L'élection du 25 mai. Les élections du 25 mai, déjà, elles n'auront pas lieu déjà en Crimée, donc c'est clair. Elles n'auront pas lieu dans le Donbass, hein, dans le Donetsk et le Lugansk. Hein. À Odessa, elles auront lieu, mais je ne sais pas si les gens vont aller voter. Alors, il y a déjà le Parti communiste qui a interdit, qui faisait quand même 20% des voix, et donc il est interdit. Donc, comment veux-tu faire des élections avec déjà des partis qui sont interdits? L'ancien parti des régions, de Viktor Yanukovych, l'ancien président qui avait été élu, donc le candidat du Parti des Régions s'est retiré. Hein, s'est retiré. Donc ça va être des élections bidons. Ça va être des élections bidons. Donc je sais pas. Ils vont organiser leurs élections comme ils voudront. Ouais, voilà, on parlait de la tentative de meurtre aussi contre un membre du PC ukrainien. Nenko, je crois. Ouais, ouais, contre le secrétaire du Parti communiste. Ouais, Voilà, donc là, on a vraiment un régime de nazis. Mais en peu de temps, je trouve qu'ils ont montré leur visage comme ça. Il faut dire quand même, les néo-nazis représentaient près aussi 20% des élections et une bonne part dans l'ouest du pays. Ils sont quand même puissants, ces néo-nazis. Oui, c'est ce que je vois, il y a quand même une partie de la population qui les soutient. Ouais, ouais. C'est quoi alors? Il faut qu'on leur donne l'indépendance à ceux qui veulent rester avec ce régime-là et les autres rejoignent la Russie? D'ailleurs, on me le dit, c'est quoi un peu ton pronostic? Les gens de l'Est de la Russie, c'est clair, ils veulent être russes. Alors, ils veulent bien passer par une phase d'indépendance, mais eux, ils veulent être russes. Excuse-moi, tu pourrais vérifier que ton micro est toujours bien, parce que j'ai des fragments. Ah oui, il est tombé. Il est tombé. Attends, je vais te le remettre. Comme ça. Et voilà. Hop, voilà. Comme ça, il était tombé. Voilà, donc eux, ils veulent être russes, donc voilà, c'est tout. Oui, voilà, ils veulent être... Eux, Poutine comme chef, voilà, ils veulent être russes. Hein, cette histoire de république indépendante, à mon avis, c'est qu'une phase politique qui est intermédiaire. Ouais. Alors c'est marrant, il y a une autre question aussi. On me dit, est-ce que tu as entendu parler de Zido Banderoshi, les juifs de l'extrême droite dénoncés par les médias russes?
Est-ce que les Russes jouent beaucoup sur ce point ou c'est de la propagande? De quoi des... Zido Banderossi. Ce sont des juifs de l'extrême droite. Justement, c'est les gens dont tu parles, je pense, dénoncés par les médias russes. Oui, alors bon, j'ai pas entendu parler de ces gens-là, mais on sait très bien que dans les groupes juifs qu'il y a, il y a le Bétard, qui sont quasiment des fascistes. Ouais. Hein. Voilà, donc peut-être qu'il y a ces fascistes d'une autre race de fascistes sionistes, hein, c'est tout à fait possible. Moi, je n'ai pas entendu parler de ça, mais il y a des... Par contre, il y a des juifs pro-russes, donc j'ai vu pas mal de logos avec un drapeau russe et l'étoile de David dessus. Mmh. Hein, donc il y a des juifs pro-russes. À un moment donné, il était question qu'un bataillon israélien russophone qui était constitué, parce qu'il y a beaucoup de russophones en Israël, oui, et qui ne parlent pas du tout l'hébreu, et que ce bataillon voulait venir au secours des populations du Donbass, tu vois, donc du côté des juifs. Donc c'est divisé sur cette affaire. Alors le gouvernement joue d'un côté, il y en a qui pensent de l'autre côté. Ah bah non, parce que c'est pas des, parce qu'ils ont, ces gens-là n'ont rien compris, ils n'ont rien compris au film sioniste. Le film sioniste, il est clair. Le film sioniste, on va être du côté des nazis pour que tous les juifs viennent en Israël. Bah voilà. Moi, je vois ça. C'est ça, le film sioniste. Hein. Ouais. Depuis le début, les sionistes étaient potes avec les nazis et les hitlériens, au départ. Hein. Alors, Nicolas Dulot, tout à l'heure, Dulot, pardon, il me dit ouais, qu'ils ont ouvert un centre, un centre de communauté juive récemment inauguré en Ukraine. Un quoi ? Un centre de la communauté juive récemment inauguré. Il dit qu'on ne comprend pas pourquoi on dit que les juifs voudraient partir, mais bon, je ne sais pas si... Alors ça... là, on a parlé des juifs d'Odessa qui ont été extrêmement traumatisés par cette affaire-là, et donc on a parlé qu'ils voulaient partir. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a une grosse communauté juive en Ukraine. Alors il y avait, alors dans le temps, il y en avait énormément de juifs dans toute cette partie-là. Moi, mon grand-père n'était pas d'Ukraine, mais de Lituanie, l'Ukraine, la Pologne, la Lituanie. Donc c'est l'emplacement des juifs ashkénazes. Oui. Ashkénazes qui parlaient l'allemand, le yiddish et l'allemand. Mon grand-père et ma grand-mère s'engueulaient. C'est comme ça que je connais la langue, parce qu'ils s'engueulaient en yiddish. Hein. Je ne comprenais pas. Mais après, comme j'ai fait beaucoup d'allemand, donc je finissais par comprendre. C'est de l'allemand à peine déformé. Et donc, et c'est le yiddishland dont fait partie l'Ukraine, surtout l'ouest de l'Ukraine. Donc c'est des gens qui ont eu à souffrir de l'Holocauste. Et en Ukraine, il y a eu ce qu'on appelle l'Holocauste par balle. C'est-à-dire que c'est les premiers juifs qu'on a massacrés. Donc on faisait une fosse, les nazis faisaient une fosse, mettaient les gens, les femmes, les enfants au bord de la fosse et leur mettaient une balle dans la tête. Tu vois, chacun, paf, paf, puis ils tombaient dans la fosse. Donc c'est en Ukraine que ça a commencé. Donc la communauté juive d'Ukraine a énormément souffert. Hein. Juifs et orthodoxes, puisque les nazis et des bandéristes sont catholiques, ils ont détruit un très gros patrimoine architectural orthodoxe qu'il y avait en Ukraine. Ça a été vraiment un désastre. Ils font ça partout, ils avaient fait ça au Kosovo aussi. Ah, partout. Ils ont fait ça en Syrie, etc. Ils font ça partout, à chaque fois. Ils détruisent le patrimoine culturel du pays, comme si on voudrait effacer les racines, effacer le passé, quoi. Tout à fait. Alors, on me dit, alors ça, évidemment, regarde, ça c'est la question, évidemment, c'est ce qu'on discutait, est-ce que les USA et Israël ne veulent-ils pas déclencher une troisième guerre mondiale? Voilà. Alors, on en a parlé de ça. Alors, moi, je dirais que les militaires états-uniens feront tout pour éviter une guerre nucléaire. C'est-à-dire que les militaires sont des gens sérieux, qui savent très bien que donnerait une guerre nucléaire, et ils font tout pour l'éviter. Et je sais que l'armée russe et les militaires américains sont en contact permanent.
permanent. Et ils savent jusqu'où ils peuvent aller ou pas aller. Maintenant, les politiques sont des fous furieux et que ces gens-là ne vont pas hésiter à mettre le monde à feu et à sang. Alors, peut-être pas sous forme de guerre nucléaire, mais sous forme de petite Yougoslavie et petite Syrie qui vont aller d'un endroit à un autre. Et leur truc, c'est se faire se jeter les gens les uns contre les autres. Ouais. Hein, c'est ça leur truc. Hein. Voilà, alors chez nous, c'est là, on va faire se jeter chez nous les Maghrébins contre je sais pas quoi. Enfin, toujours trouver quelque chose pour que les gens aillent massacrer. Voilà, parce que là où on se massacre le plus, c'est dans les guerres de religion. Hein, c'est la religion, c'est le meilleur moteur du massacre. Alors, là, je fais coucou à personne parce que elle va dire encore qu'elle a fait encore un billet aujourd'hui sur le bon Dieu, c'est son truc. Alors, le bon Dieu, c'est son truc. Voilà. Mais c'est le truc de beaucoup de gens, surtout à Beta TV. Pour moi, le bon Dieu, c'est bien, c'est le meilleur truc pour aller zigouiller son prochain. Mais bon, ah, ou l'aimer, ça dépend de quel côté tu le prends. Voilà. Bon, mon Dieu, faut pas m'en parler, je suis athée, je suis grâce à Dieu. Et quand c'est on Obama pas... et Bush, à ton avis, ils sont quoi Comment Obama et Bush, à ton avis, ils sont quoi Qu'est-ce qu'il a dit Obama Ouais. Qu'est-ce qu'il a Est-ce qu'Obama, il croit en Dieu, selon toi Ah, j'en sais rien, tu me demandes à moi. Si Obama croit en Dieu... D'abord, un président des États-Unis croit forcément en Dieu. On c'est a obligatoire, vu, c'est dans la Constitution. Forcément. God we trust. C'est obligatoire. Hein, les États-Unis, c'est quasiment une théocratie, donc... ça dépend de l'entité que tu mets à la place de Dieu, c'est pareil. Enfin bon, on n'entend pas la discussion à travers le truc. Ouais. Alors ouais, simplement le moteur, jeter des religions les unes contre les autres, pour l'impérialiste, c'est le bon truc. Il a fait ça en Yougoslavie, en Syrie, et utiliser la religion, parce qu'en Syrie, on a utilisé des musulmans contre des musulmans. Hein. Mais bien enfin, sûr. Le moteur, c'était d'utiliser les takfiris. Là, les troupes en question, autres. Pour bien comprendre aussi où c'est localisé, parce que là, on me dit, est-ce que l'Ukraine est à feu et à sang? Mais c'est essentiellement dans l'Est. Alors, c'est essentiellement dans l'Est. Il y a quand même eu sur la place Maïden 100 morts, quand même. Hein. Oui. Il y a eu à Odessa 100 morts. Et puis, maintenant, les gens sont terrorisés. Oui. Les gens sont terrorisés, ils ne bougent pas. Et donc, voilà. Et donc, les combats sont actuellement relégué dans l'oblast de Donetsk et l'oblast de Lugansk, encore que dans l'oblast de Donetsk, les combats sont circonscrits entre Slaviansk et Kramatorsk, c'est-à-dire dans le nord de l'oblast. Hein, voilà. Et donc c'est là où les forces néo-nazies ont mis le principal de leur action, notamment sur la ville symbolique de Slaviansk, qui est une ville de 100 000 habitants, et qu'ils rêveraient de reprendre. Donc la guerre se passe là. D'ailleurs, entre les deux, il y a Kramatorsk au sud, il y a Slaviansk au nord. Entre les deux, il y a un aéroport, hein, qui est pour l'instant sous contrôle des forces d'autodéfense. Et il y a cette fameuse tour de télévision avec le mont, je ne sais plus comment il s'appelle, et de là où ils bombardent avec leurs mortiers, et ils bombardent la ville de Slaviansk et de Kramatorsk d'un côté et de l'autre, un petit peu au petit bonheur la chance. D'ailleurs, ils ont détruit hier des canalisations d'eau, ce qui ont laissé les gens de Kramatorsk sans eau. Ils ont détruit des conduites de gaz. Voilà, donc c'est un travail de gougnafier. Oui. De terroristes, et donc c'est en général ils commencent les combats vers 8h du soir, là ils doivent commencer, j'ai regardé mon Twitter, et puis ils les terminent vers 3-4h du matin ou au petit matin, donc en général c'est la nuit qu'on se bat, quoi. Oui, hein, d'accord. Voilà. Ou alors, c'est les commandos de Slaviansk, hein, qui vont aller attaquer les positions des gens de la des milices de l'Ukraine, quoi. Voilà. Et ben, une situation en tout cas tous les soirs il y a des tirs à suivre, ouais. Voilà. Et puis je sais pas si on peut en parler, donc on va suivre ça de très près ou non. Alors bon,
Il est vrai qu'il y a des jeunes qui veulent aller là-bas. Donc je ne vais pas donner des détails là-dessus. C'est une jeunesse quand même qui est assez surprenante parce qu'on m'a contacté pour trouver des contacts là-bas. Moi, j'ai fourni des contacts, je me suis contenté de ça. Donc des jeunes qui veulent aller aider les gens de Slaviansk. Donc d'ailleurs, je dis, s'il y a des compétences quelque part qui peuvent servir aux gens de Slaviansk dans tous les domaines, bah, qu'ils prennent contact avec moi. Hein, c'est des gens qui n'ont pas peur, évidemment, des situations conflictuelles voilà. Comme ça. Bon, c'est alors, les brigades internationales. Là-bas, nous, à Meta TV, on sera un plaisir de les suivre. On est revenu en 36, la guerre d'Espagne, quoi. Hein, c'est énorme. Non, mais c'est vrai que ça fait penser à cette situation un peu de la guerre d'Espagne. Écoute, moi, je pense que il va falloir créer une union anti-impérialiste internationale. Je crois qu'il va falloir les faire. C'était une idée des Serbes à un moment donné qui voulaient combattre en Syrie à côté de l'armée nationale. Ouais. Hein, donc ça s'est pas fait. Eux, ils veulent aussi maintenant aller en Ukraine. Donc, si tu veux, les forces noires ont d'ailleurs essayent de recruter. Il y a un pravi secteur France, hein, dans lequel ils recrutent des gens de l'extrême droite. Néo-nazis pour aller combattre, parce qu'ils vont ramasser tous les néo-nazis d'Europe pour aller combattre là-bas. Faire l'office, faire une espèce de djihad. D'accord. Avec quand même le problème, c'est que dans la mouvance nationaliste, il y a beaucoup plus de pro-russes que d'anti-russes. Oui. Donc la mouvance nationaliste est pro-russe à peu près aux trois quarts. Donc là, ils vont plutôt prendre des gens qui vont aller combattre de l'autre côté. Des étrangers comme ils font un peu partout en fait. Voilà, du côté de Slaviansk. Hein. Bon voilà. Donc on va suivre cette affaire de ces volontaires de près à Meta TV. Et on va pouvoir, bon, il y a les flics qui sont là, mais les flics ils seront, de toute façon. Ils sont déjà sur le chat. Les compétences, donc, pouvoir guider les compétences au bons endroits. Moi j'ai la filière là maintenant. Hein, et donc si des gens qui peuvent, des médecins, des infirmiers, tout ce qu'on veut. Oui, il n'y a pas que des soldats, parce qu'on me dit, ah là, ils recrutent des soldats. Non, je recrute surtout pas de soldats, je recrute des gens. On s'est transformé en Blackwater. Hein, dans l'humanitaire. Vous rassure. Voilà, des journalistes, pour aller là-bas et montrer que les Français se préoccupent de ça, parce que j'ai lu un article en disant que l'Ukraine c'est notre avenir. Bah c'est pas faux, hein, c'est pas faux. L'Ukraine c'est notre avenir, donc faut pas laisser ces pauvres gens les laisser dans la merde. Déjà leur montrer que on les connaît. Je sais qu'il y en a qui nous regardent, hein, parce que il y en a qui m'ont demandé, oui mais l'émission c'est quoi, donc j'ai envoyé le contact là-bas. Il y a quelques francophones, et même s'ils comprennent pas, donc ils voient, j'ai le ruban de Saint-Georges, qu'on a parlé de ça, ils ont vu les images, on a parlé d'eux, on a montré leur ville, voilà, et que nous, on est solidaires, voilà, si on peut, moi, si j'avais quelques années de moins, j'irais bien là-bas pour les aider. Voilà. Bon, ben voilà. Eh ben, en tout cas, j'attends qu'ils reviennent pour faire la pause. S'il y a d'autres questions. J'allais dire, ouais, les questions. On me demande. Il y a une question, oui, qui revient sans cesse. C'est la question sur Béatrice Elbez. Ça, c'est alors. Parce qu'elle est venue ici dans l'émission et elle a beaucoup aussi parlé de toi, alors sur son blog, etc. Alors tout le monde me repose des questions. T'as pas une autre sur le question. Chat. Bon, voilà, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. En tout cas, voilà, il est revenu, on va pouvoir faire la pause. Et merci Alain d'être venu, hein, pour. C'est un plaisir. Bien sûr. Maintenant, t'es devenu une vedette depuis que t'as mis la nénette de l'AFP à sa on place. En parle beaucoup, oui. Ah bah là, j'avoue qu'on en parle un beaucoup. Grand moment. Hein. Un grand moment, c'est merci. Un grand moment, alors là. Il y en a plein qu'on apprécie. Que aussi, fait le buzz, hein, avec il y en a plein qu'on apprécie, apparemment. Ah oui, mais moi j'ai apprécié. Beaucoup de messages. J'ai beaucoup apprécié.
Eh ben merci beaucoup. Eh ben voilà, ce petit débrief sur l'Ukraine, ça faisait du bien parce qu'en plus, situation sous haute tension, donc eh ben, de toute façon, on en reparlera, on voit bien que c'est un sujet. Et puis vous pouvez aller sur le Facebook d'Alain, sur son blog, il y a des nouvelles constamment concernant l'Ukraine. Là, on va faire une petite pause, puis on revient pour le débrief à froid. Voilà, donc à tout de suite, restez connectés à Fou la Régie. Yes.